Dans le cadre de notre capsule financière, cette semaine, on retrouve M. Sylvain Marleau, conseiller en placement pour la financière Banque nationale, et on discute aujourd'hui de vacances. Bonjour, M. Marleau. Bien oui, Karine, effectivement, notre caméraman Jacques me suggérait il y a quelques semaines de faire une capsule sur les vacances, mais du coup, traiter des finances. Alors, je vous présente quelques points que j'ai réfléchis. Au niveau des destinations, est-ce que les gens devraient choisir le Sud ou le Québec? Hein? On l'entend de plus en plus, celle-là. C'est certain que notre Québec est très beau à visiter, il faut le faire. Mais de plus en plus, on s'aperçoit qu'il y a des forfaits à Cuba puis dans les îles qui coûtent une semaine tout inclus, moins cher que si on passait une semaine au Québec. Hein? Moi-même, je l'ai essayé, puis bon, se faire servir toute la semaine pour avoir une garantie de beau temps, c'est quand même très intéressant. Hein? Fait que quand les gens disent, ben voyons donc, Cuba en été, ben moi, je leur dis, effectivement, c'est moins cher qu'aller au Québec, puis vous avez probablement plus d'assurance, en tout cas, d'avoir du beau temps. Alors, au niveau financier, ben écoutez, des fois, souvent, ça ne coûte pas plus cher. Est-ce qu'on devrait faire du camping ou de l'hôtel? Hey, celle-là, je l'entends souvent. Puis on a déjà traité dans une capsule qu'on avait faite sur les VR. Moi, j'adore le camping. Moi, je suis un campeur. L'été, là, je fais beaucoup de camping. La côte est américaine, j'aime beaucoup ça. Mais c'est sûr que si on y va en tente, ça coûte pas cher. La tente roulotte, bien écoutez, ça coûte un petit peu plus cher, mais c'est encore pas si pire. Mais là, de plus en plus, ce qu'on voit dans les campings, c'est des gros équipements, des motorisés, des fifth wheels qu'on appelle, des grosses roulottes. Alors, quand que les gens calculent le coût du camion pour tirer ou le coût du motorisé, bien, le camping, bien souvent, là, fait comme ça, là, c'est plus cher que d'aller passer nos vacances en hôtel. OK? J'ai quelques trucs financiers qu'on me pose des questions assez souvent. Entre autres, quel mode de paiement utiliser quand on est hors Canada? On va aux États-Unis, qu'est-ce qu'on devrait faire? Bien, moi, ma réponse tout de suite, là, c'est la carte de crédit. OK? C'est facile, on a des garanties avec ça, on a juste une carte à traîner, est acceptée à peu près partout, surtout aux États-Unis. Puis on a des points, on a des avantages avec ça. Alors, ça vaut la peine. Puis au niveau des taux de change que la carte de crédit va nous charger, je ne suis pas certain que c'est plus cher que si vous allez échanger des dollars directement à votre succursale bancaire. La carte de débit est aussi très utilisée aux États-Unis. Je n'ai pas eu de problème, moi, à l'utiliser. Vous pouvez facilement le faire. Le cash, moi, je pars avec 200, 300 US maximum sur moi. Ce n'est pas nécessaire d'en avoir plus que ça. Il y a des guichets automatiques aux États-Unis, carte de débit, puis on retire. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Les chèques de voyage, c'est en voie de disparition. Je pense qu'il y a des endroits en Europe qui en a plus. Même tout chèque n'est pas accepté. Puis à un moment donné, bientôt, on va être capable même de payer avec notre téléphone cellulaire nos dépenses. Au niveau des devises, je donne un truc aux gens. À la fin, là, c'était ici, là, on est le 23 mai là, 2013. Là, ça coûte à peu près 1,3 Canadiens convertir à 1 US. De plus en plus, on nous dit qu'on s'en va vers le 90 cents Canadiens. 1,10 Canadiens pour 1 US. Okay? Alors, en ce moment, les gens qui sont capables, qui en ont capacité, on convertit, on ouvre un compte US, on convertit de l'argent canadien dedans, l'argent qu'on pourra utiliser pour nos vacances éventuelles, qui nous aura coûté moins cher de la convertir. Assurance voyage, c'est un point important. J'ai plusieurs personnes que je connais, des clients qui commencent à être un peu plus âgés. Ça leur coûte cher d'aller aux États-Unis pour des assurances maladie. Ça se magasine. Ça vaut la peine de magasiner. Les gens ont été surpris des rabais qu'on peut avoir au niveau de leur assurance maladie parce qu'ils ont fait un peu de magasinage. On pose des questions des fois sur le time sharing. Acheter une unité, un logement pour tant de semaines par année. Moi, là-dessus, ce que j'en ai déduit, on pourrait faire une émission complète là-dessus, mais ce que j'en ai déduit en bref, là, c'est que du time sharing, c'est l'immobilier que vous achetez. Puis si on ajoute l'immobilier, il faut que l'immobilier soit abordable. C'est pas le temps d'acheter un time sharing à Vancouver. Le marché de l'immobilier est trop cher. C'est pas le temps d'acheter ça à Whistler. Peut-être que c'est le temps en Floride. C'est à voir. Les vacances, ça peut ne pas coûter si cher que ça. C'est sûr qu'il faut éviter les tourist traps que j'appelle. OK? Il faut éviter les manèges avec les enfants ou les glissades d'eau qui, à 4, là, dans une après-midi, ça va vite. Ça, on dépense 120-150 $. Alors, il faut éviter outlet. C'est le fun d'aller dans les factory outlet aux États-Unis, puis là, on a tout est à rabais, puis on se sent un peu de pression d'acheter un paquet de choses à rabais, puis finalement, on a peut-être besoin, peut-être moins. Faire du vélo sur la piste cyclable, puis se baigner dans la mer, puis courir dans la rue, là, ça coûte pas bien cher. Hein? Fait qu'on a moyen d'avoir des vacances qui ne coûtent pas si cher que ça. Il y a quelques articles intéressants que vous pouvez trouver sur le site internet jecomprends.ca, un site qui est parrainé par la Banque nationale.
Il y en a un article, c'est 5 trucs pour payer moins cher ses billets d'avion. Il y a un autre article, c'est les meilleures cartes de crédit pour les récompenses des voyageurs. Il y en a une carte que moi j'utilise qui est identifiée comme la meilleure pour acheter des billets d'avion. Les meilleurs moyens de payer à l'étranger. Il y a un article qui discute de ça. Il y a aussi un Vox Pop. Les gens peuvent regarder puis ils vont voir l'opinion de certaines personnes sur quel est le meilleur mode de paiement à l'étranger. Puis ce qui en ressort de ce Vox Pop-là, c'est au niveau des cartes de crédit que les gens utilisent beaucoup. Alors, on se dirige vers l'été. Bonnes vacances à tous, puis faites attention à vos finances. Merci beaucoup, M. Marleau.